Bonjour à tous, est-ce que ce ne serait pas le moment pour moi de vous montrer l'avancée de la rénovation, le papier peint posé dans cette pièce qui résonne beaucoup? Alors bon, j'adore. J'étais en angoisse parce que forcément ça passe ou ça casse, surtout quand tu fais des motifs et tu fais une couleur assez forte, et c'est trop beau. Donc ce n'est pas terminé, évidemment. Lundi, ça repart, là au moment où je vous parle, nous sommes vendredi. Et d'ailleurs, cet après-midi, je repars sur Chartres, je vais y aller toute seule pour notamment redonner les papiers peints. J'en avais pris trop, donc ils vont me rembourser. Et à la place, je vais prendre les peintures pour cette pièce. Et, enfin, regardez. On va commencer tranquillement, petit suspense. Je suis tellement contente. C'est très joli. Là, j'ai mis le banc, mais c'est juste pour faire une simulation, je vais le retirer. Le sol, bah, il est dans cet état, ce qui est normal puisque ce n'est pas terminé. Il sera briqué quand ce sera terminé, tout simplement. Voilà, donc là, on va laisser blanc ce meuble. Il y a vraiment, en fait, ces trois pans qui sont faits. Et là, ma question, enfin, c'est vraiment ma question. Au début, vous savez, on voulait faire très foncé ici. Et vu que je n'ai pas trouvé la couleur raccord parfaite et que surtout, je trouve que là, c'est magnifique. Ça rend très très bien. Il va faire la peinture blanche, il va refaire de la peinture blanche. Donc en plus, les moulures vont bien ressortir. Je vais vous montrer le cadre que j'ai eu chez Ikea. Mis ici, trop beau. On va changer également la prise pour quelque chose de doré. Il va faire tous les entourages également. Et cette pièce, donc c'est pour ça que je vais chez 4 murs tout à l'heure. Là, je souhaite mettre une couleur foncée tout le long ici. Et là, je monte pour vous montrer que tout ce pan de mur également sera fait. Et là, il y aura soit un grand miroir, une déco, ça va être trop beau. Là, il a remis du plâtre parce que ça c'était encore un peu friable. Il refait tout le mur lundi. Là, l'entrée que vous avez vue, c'est encore plus joli. En vrai, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas montré finalement le beau miroir de chez Ikea. Je vais vous le poser là, bon, en simulation. Waouh, il est lourd là, enfin il est lourd un petit peu. Et alors je sais très bien que parfois on dit oui, quand tu as un papier à motif, c'est délicat de mettre des choses et tout, ou des miroirs, mais tout dépend en fait hein, du cas. Regardez, tout dépend des motifs en fait. Là on voit quand même que ça va être canon, évidemment il sera mis ici. Alors soit ça sera celui-là, soit celui-là ira de l'autre côté, mais en tout cas forcément il ira sur l'un des pans de mur, ou si c'est pas celui-là, ce sera le blanc, mais rien que là, franchement je trouve que bah, ça le fait hein. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'ici, il y aura le grand luminaire blanc qui est un peu motif, je ne sais pas si vous vous souvenez, géométrique. Ici, bah, je vais remettre la console dans laquelle tu déposes les clés. Il y aura une lampe pour faire une petite ambiance sympathique. C'est les deux houlots que je vais redonner. Je vais peut-être plus faire un effort si je veux faire des photos. Oh, écoute, c'est moi, c'est comme ça. On est très bien, je suis à l'aise. J'ai limite un peu chaud, je sens que ça va péter. Il faut pas mal. Sauvage. Tu viens d'où, petit garçon? Tu t'es perdu? Tu as atterri dans la maison de ta maman? Tu l'aimes, ta maman? Maman, elle s'en va. Mais il y a papa qui arrive. Eric ne vient pas parce que... Alors, il a cours, tout simplement. Il a cours, je crois, en plus jusqu'à 17h. Conseil de classe? Peut-être un truc comme ça, où il fait passer des examens. Je ne sais pas, mais en tout cas, il finit à 17h exceptionnellement, parce que le vendredi, d'habitude, il finit pas à 17h. Alors, vous voyez en fond, on est un petit peu sur du chantier, c'est normal. Tant que les travaux ne sont pas terminés, ils devraient être terminés semaine prochaine. On va prendre des baskets, on sait jamais si j'ai besoin de courir vite. Non, pas tout de suite, c'est autre chose quand même. Très chic. Bon, je viens d'arriver et je vais me dépêcher parce qu'il commence à pleuvoir. J'y ai échappé pendant le trajet. Il est midi. Alors, ce que je trouve très appréciable quand je suis ici, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Hein. Et il y a des enseignes que j'aime beaucoup. Par contre, Maison du Monde, c'est en dehors et 4 murs aussi. Mais là, vu qu'il est midi, j'ai un doute. Je sais pas si c'est ouvert, donc en attendant, je vais regarder les boutiques. Il y a toujours des trucs sympas et puis j'aviserai. Bon, en général, c'est blindé chez H&M. Mais là, je pense qu'on va être pas mal. Alors, je sors de là. Mais là, vous êtes très bien. Parapharmacie, H&M. Il y a eu l'haché de perdrix et chez Naf-Naf. Et en plus, il y avait 50% sur le deuxième article. On adore. Il serait peut-être temps que je mange. Soit je suis raisonnable, je prends ma barre. Ou alors je me prends un sandwich. Bon, je sais ce que je fais. Je vais voir s'il y a des sandwichs. S'il y en a un qui me plaît, je prends sandwich. Sinon, je rentre dans ma voiture et je prends ma barre. Et aussi, à la parapharmacie, j'ai trouvé un truc trop bien. Je pense qu'il va vraiment vous intéresser, que j'ai découvert. Donc, elle m'a expliqué. Il paraît que c'est canon pour l'été.
J'ai les cheveux encore, mais c'est pas possible. Là, c'est un peu tôt, mais il aurait pu y avoir craquage parce que alors leur glace, les gaufres, les crêpes. Oh, ils font des sorbets, c'est cool. Ah ouais, attends, c'est de la glace pilée, agrémentée d'une purée de fruits citron mangue. Waouh. Oh là là, regardez, là, c'est un autre level. Hein. Et bah voilà, on est bien là, non? Et je vais peut-être me prendre un petit café, j'ai l'impression qu'ils font des cafés sympas, longs, avec de la chantilly et tout. Essayer un pantalon, je suis chez Bisbee. Je devais sortir un pour les chicanes murs, mais bon, je suis tombée là-dessus. Je mets jamais ça, ça m'en va pas en général, mais je sais pas, j'ai envie d'être à l'aise. T'es quand même vachement bien là-dedans. Ouais, vas-y, je le prends. Là, je serai tranquille. Mais... Bon, faut que je sorte, hein, j'ai craqué. J'ai trouvé un pantalon et un petit haut. Ça va me faire un petit ensemble pour l'été. Canon, évidemment, je vous montrerai tout ça. Je vais chez Quatre-Murs et Maison du Monde, c'est collé. Bon, cette fois-ci, je sors. Oh, j'ai échappé. Il y a eu. Il y a plus. Ça peut revenir. Ça sert toujours. Je suis trop contente de mes achats. À la base, j'y allais pour le papier peint. Quel est l'imbécile qui passait dans les feuillages pour aller plus vite? Ben, c'est moi. Ça rafraîchit. Allez, go! Bon, je suis chez Quatre-Murs. J'ai rien acheté chez Maison du Monde. Oh, c'est tellement beau. Donc, on va en regarder justement pour l'autre pièce, la peinture. Faut que je vous montre quelques petits trucs, mais sous fond musical, je pense. Un miroir qui m'a fait craquer. Il y a plein d'espace, en fait. Je suis de retour. Oh, belle entrée. Alors, je vous ai laissé chez Quatre-Murs. Allez, oh, qu'est-ce que tu fous, Caro? Je suis en brigue. Attends. Quelle heure est-il? 16h37. Je vais me poser et bien sûr, je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Quatre-Murs. Voilà, je vous montre sur quoi nous sommes partis. En fait, déjà, je vous explique précisément. Nous avons cette couleur, donc c'est le mécanique green et le papier peint est comme ça, donc c'est quasiment le même. Ah bah, l'Eric. Ça a été au fait? Mais t'avais pas conseil de classe jusqu'à 5h30? Je suis hier soir. Bah là, tu m'as dit que tu finissais. Pourquoi tu finissais? Je comprends pas. Je suis à 5h. Et bah, il est 4h40. Oui, mais alors, excuse-moi, je suis à 5h20. Mais non, mais t'avais pas cours alors? C'était pas des cours. Je t'ai dit que j'étais en bilan toute la journée. Ah, c'est en bilan de compétences, ok, c'est vrai. Alors, donc, le papier peint sera ici. Tout ça. Je peux vous dire qu'avec des éléments dorés, ça va être juste magnifique. Mais il y a de fortes chances que ce soit sympathique tout ça. Je suis très contente. Je vous reprends, je suis avec mon téléphone. J'ai reçu un message de disant que le colis, parce que forcément il était livré, mais j'étais pas là. Bah non. Et qu'il a été déposé en point relais. Bah, c'est une super chose parce que c'est vrai que lundi c'est férié, donc c'est aussi bien que je l'ai maintenant. C'est pour la boxe. C'est une des 5 choses de la boxe. Boxe de juin, évidemment. Qui est toujours en commande jusqu'au 10 juin. Évidemment, je vous montrerai ce que mes petits achats, j'essaierai ce qu'il y a à essayer. Mais je pense plutôt demain. Là, j'ai pas. Non. Non, et puis il est déjà 18h et quelques, j'ai envie de me poser un petit peu. Il est 7h15 presque et je me suis rafraîchie, je me suis changée. Et là on va aller dans une brasserie, boire un verre, peut-être manger là-bas. Si avec moi je serais restée et tout, mais en même temps des fois il faut se mettre des coups de pied aux fesses. Une fois qu'on y est en général, on dit oh tu vois, c'était bien.
Nous sommes sur un petit lendemain de soirée, compliqué, ça faisait longtemps. Ça pique un peu, mal au crâne. Et en me réveillant, je dis à Eric, oh bébé, j'aimerais trop avoir le même petit déj que Kyriade. C'est tellement top au niveau du choix. C'est bon, c'est un des meilleurs petits déj que j'ai pu faire, je pense, dans les hôtels. Et il me dit, bah écoute, ok, je vais chercher viennoiserie, jus d'orange. Et moi, je m'occupe du café, de tout ça. Je nourris baby, vous entendez. Et voilà, mais ça n'empêche qu'on va faire quand même la journée qui était prévue, mais peut-être un peu plus lentement. Oh, merci chérie, t'as assuré là. Oh, croissant, il faut que je fasse le café, je suis à la bourre. Ça va toi ce matin? Je vais super bien car je suis avec toi. Et franchement, ça pique, dis qu'il n'y a pas que moi que ça pique. L'amour, c'est plus fort que les ferragans. Non, c'est pas ferragans. Tu es mon paracétamol. Ok, bon, allez. J'ai pas ma perche là, je suis à bout de bras. Je voulais vous dire quoi? Bah rien, je me suis un petit peu préparée. Et en fait, on voulait, Eric me dit, bah viens, comme on s'est levé tôt quand même, on va se balader un petit peu, marcher, ça fait du bien. Le problème, c'est que j'attends un colis. Et comme lundi c'est férié, j'aimerais bien le choper aujourd'hui, encore pour la boxe. Colissimo, mais il devrait pas tarder. Après, je pense qu'on va un petit peu marcher pour que la journée se passe un petit peu mieux.